retrouve Daniel Bélan, qui est politologue à l'Université McGill. Bonjour, M. Bélan. Bonjour. Alors, 24 heures après avoir expulsé Mme Wilson-Raybould et Philpott, est-ce que le leadership de M. Trudeau en sort affaibli ou renforcé, selon vous? Bien, je pourrais dire qu'il est renforcé au sein du caucus libéral, parce qu'il y avait quand même pas mal de voix qui s'élevaient de députés, y compris les députés d'arrière-ban, qui demandaient le départ de Jane Philpott et Judy Wilson-Raybould. Et puis, bon, il faut quand même pas se leurrer. En fin de compte, c'était sa décision. C'est lui qui a décidé de les mettre à la porte du caucus. Et donc, je pense que oui, ça renforce son leadership. Du moins, je pense un peu son image au sein du caucus. Parce qu'on a comparé la façon de faire de Justin Trudeau à celle d'un prédécesseur, le premier ministre chrétien, qui avait de la poigne, à celle de son père aussi, à celle très ferme de Stephen Harper. Je posais la question parce qu'on se demande si Justin Trudeau projette aujourd'hui une image d'un premier ministre fort ou un premier ministre qui est plutôt faible, selon vous. Ah oui, là, c'est différent. Bon, ouais. Écoutez, au-delà de la décision qui a été prise hier, qui le place dans une meilleure position au sein de son caucus, c'est sûr que ce n'est pas quelqu'un qui a la poigne de Stephen Harper ou de son père, mais c'est lui-même qui disait en 2015 qu'il voulait changer la politique. Et changer la politique, ça voulait aussi dire, en tout cas, c'est ce que Jane Philpott et Judy Wilson-Raybould et d'autres avaient compris, c'est que, bon, il fallait faire les choses de façon différente, accepter un peu plus de pluralisme au sein du caucus et de critiques, de débats plus ouverts. Mais je pense que là, les libéraux se sont rendus compte qu'il fallait revenir à la bonne vieille discipline de parti très stricte. Ouais. Et c'est ce qu'ils ont fait hier. Donc, est-ce que c'est trop tard pour Justin Trudeau? Il y a beaucoup de libéraux qui pensent que ça aurait dû être fait avant, hein? Qu'il n'aurait pas dû attendre aussi longtemps avant de prendre cette décision. En même temps, c'est quand même une décision difficile parce qu'on a deux femmes qui sont populaires, deux femmes qui sont bien connues, mm-hmm. une femme autochtone, ouais. une autre qui est associée au dossier autochtone, pour un premier ministre qui se dit féministe et en faveur de la réconciliation avec les peuples autochtones. C'était quand même une décision très délicate à prendre. Et puis, peu importe la décision qu'il aurait prise, il aurait été critiqué. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de débats au sein d'un caucus. Les gens ne sont pas toujours d'accord, évidemment. Mais quand ça sort du caucus et quand c'est sur la place publique pendant des semaines et des semaines que Jane Philpott donne un interview au magazine McLean, qui est très critique envers bon, le premier ministre, ou qui, en tout cas, qui ne lance pas le message qu'elle est derrière le premier ministre ouais. à 100%. Et dans le cas de Judy Wilson-Raybould, évidemment, même si elle le dit dans la lettre qu'elle a envoyée là, au caucus hier matin, qu'elle voulait protéger le premier ministre, ce qu'elle fait depuis des semaines, ça va quand même, ça érode le leadership de Justin Trudeau ouais. et ça réduit les chances des libéraux de l'emporter en octobre. Bon, la question maintenant qui est sur les lèvres aujourd'hui, c'est quelle suite à donner à l'affaire, au dossier en fait SNC-Lavalin, parce que sur le fond, c'est pas réglé. Est-ce que tout ce qui s'est passé au cours des dernières semaines rend aujourd'hui pratiquement impossible pour le gouvernement Trudeau d'y aller avec un accord de réparation pour SNC-Lavalin, selon vous? Ça va être très, très difficile mm-hmm. Politiquement. Bon, au Québec, ça ferait des heureux. Peut-être ailleurs au pays aussi, les gens qui travaillent pour SNC-Lavalin, par exemple, parce qu'il y en a plus à l'extérieur du Québec qu'au Québec, évidemment, si on prend les autres provinces canadiennes. Mais je pense que politiquement, ça serait, ça donnerait des munitions en or, vraiment, des munitions atomiques à l'opposition. Alors, je pense que ce serait très difficile à faire politiquement. C'est plus qu'un champ de mine, là, c'est atomique. Je pense que, bon, évidemment, s'ils pouvaient remporter la prochaine élection avec un gouvernement majoritaire, et en ce moment, ce n'est pas ce qu'ils obtiendraient, hein, ils seraient loin de ça s'il y avait des élections fédérales demain matin. Mais après ça, peut-être qu'ils pourraient le faire. Mais avant les élections, ce serait vraiment sur le plan politique radioactif. Oui. Monsieur Trudeau, les libéraux espéraient que les deux départs, les deux expulsions d'hier allaient permettre de tourner la page. Ça n'a visiblement pas été le cas aujourd'hui. Ça fait 9 semaines que ça dure, Monsieur Bélan, 56 jours. Monsieur Trudeau a perdu dans l'aventure 2 ministres, son plus haut fonctionnaire, son plus proche conseiller. Qu'est-ce qu'il devra faire pour finir par réussir à reprendre le contrôle de l'agenda, selon vous, Monsieur Trudeau? Je pense qu'ils vont devoir vraiment mettre l'accent sur l'équipe et sur les politiques publiques et beaucoup moins sur la personnalité du chef.
parce que sa popularité personnelle, là, Justin Trudeau, vraiment est copé. Oui. Et je ne pense pas qu'on puisse... il est trop tard. Là. Je pense que... puis cette idée-là aussi de faire la politique de façon différente, je pense qu'ils vont devoir passer à l'attaque et attaquer, par exemple, Andrew Scheer et les propositions conservatrices lorsqu'elles seront annoncées. À moins de 6 mois du lancement de la campagne électorale. Daniel Bélan, politologue à l'Université McGill, merci beaucoup. Merci de votre invitation. Au revoir.